Kaiser von Karstein. Bonsoir à toutes et à tous. Je vous retrouve aujourd'hui sur Total War Rome 2 pour l'épisode 8 de Rusée Stratégie Infinie en compagnie de mon adversaire. Présente-toi, bonsoir à toi. Bonsoir, alors ici c'est Benous et puis bah voilà, je suis prêt pour batailler contre toi, Kaiser. Bah, c'est un plaisir que tu aies accepté de répondre à l'appel de la guerre. Je t'en prie, présente ta faction et ta composition d'armée. Donc voilà, j'ai pris les Arvernes, hein, les célèbres guerriers celtes, avec en général, donc mon général c'est un noble lancier, avec ensuite des bretteurs d'élite, qui une 4 unités de bretteurs d'élite, ensuite infanterie lourde qui est là aussi, avec ensuite des guerriers nus et des lanciers d'élite. Voilà, j'ai pas pris d'unité de projectiles, j'ai pris que du bretteur, que d'infanterie. Voilà. T'as pas pris de cavalerie? Non, pas de cavalerie. D'accord. Non plus. On se bat au sol. Bon, ça peut être pas mal après. Bon, alors de mon côté, bah, c'est... en tout cas, ton armée, elle est très belle. Je la trouve très sympathique. Donc, une force d'infanterie de frappe assez nombreuse et puissante sur le papier. Alors, moi de mon côté, je suis resté dans le thème celte également. J'ai pris les Boyens, donc des guerriers qui sont dans le sud de l'Allemagne actuelle, donc Hercynie, tout ça. Donc, ma première ligne, j'ai pris 4 frondeurs celtes, hein, histoire d'avoir un petit peu de tir à distance. Et histoire de faire mal un petit peu, parce que des cailloux dans la figure, au bout d'un moment, ça fait mal, j'ai envie de dire. En seconde ligne, j'ai pris 4 unités de partisans bretteurs qui m'ont bien surpris il y a très longtemps. Donc, j'ai voulu retester l'expérience avec eux, on va voir ce que ça donne. En compagnie 2 sur les flancs, j'ai mis un lancier vétéran sur le flanc gauche et sur le flanc droit en cas de cavalerie. Bon, comme là, il n'y a pas de cavalerie, donc ça va servir à rien. Mais bon, on va essayer de retrouver notre deux. Derrière eux, j'ai mis 3 unités de guerriers à l'âge, histoire de faire un petit peu de percée armure et voir ce que ça donne. Et enfin, derrière moi, j'ai mis 4 unités de cavalerie, dont 2 cavaleries lourdes, pardon, donc cavalerie de lourde mêlée. 2 unités de noble cavalerie, dont celle de mon général qui est juste ici. Et enfin, j'ai mis un lancier vétéran en soutien au cas où s'il y a de la cavalerie qui débordait. Mais bon, comme là je l'ai dit antérieurement, pas de cas, donc ça va être réglé. Donc ce que je te propose, c'est de lancer la partie. Est-ce que tu es prêt, Bendib? Oui, je suis prêt, il n'y a pas Allons-y, de souci. Partons en guerre. Allez, c'est parti. Guerre au Héon. À la guerre, à la guerre. Ah, c'est ouais. Une guerre fratricide entre celtes. C'est ça. Même si tu es un peu plus éloigné que moi, vu que moi je suis du côté du sud de l'Allemagne, tu vois, donc on va voir ce que je peux faire. Donc, qu'est-ce que j'ai? Alors, en face, j'ai... Ouh, j'ai du bretteur d'élite, ça rigole pas. Ça ah ouais, là on a pris nos meilleurs guerriers, quoi. Ah ouais, là c'est des gens qui. C'est des guerriers qui se sont battus contre des Romains, quoi. Donc, donc tu peux dire que les Boyens, on n'a pas peur, quoi. On est là où on est là pour prendre vos villages, quoi. Donc ce qu'on va faire, on va tenter un truc. Donc hop, on va tenter ça. Après, j'ai vu que tu avais des guerriers nus, je pensais qu'ils pouvaient se camoufler quand ils allaient sur le champ de bataille, tu vois, mais apparemment non. Ouais, mais je pense que tu peux, mais en fait, j'ai même pas. Voulu essayer, franchement. Donc, sur le flanc, ouais, il y a du monde, effectivement. Ouais, et je vois que tu mets ton dispositif en place, hein, savoir essayer de m'envelopper vu que tu as de la masse. On va J'espère que je vous ai pas trop pris de haut, c'est juste ça. Donc moi ce que je vais tenter, je vais essayer de sortir de ce guet-apens, mais bon c'est pas gagné vu le nombre d'unités. Donc moi je recolle mes frondeurs le plus rapidement possible. Alors moi mélange si vous allez vous repositionner parce qu'il y a du lourd qui arrive, à savoir du partisan bretteur. Hop. Ça rebondit hein, sur ton armure, eh bien. Comment j'ai pas entendu ce que tu dis. Ton armure, tes guerriers, ils encaissent bien, ça rebondit. Ah non, normalement. Alors, qu'est-ce qui me reste? Ouh, il y a les lanciers qui tentent un truc. Très bien, je l'avais pas vu. Hop, par là, je vais tenter un autre truc aussi. Ouais. Effectivement, tes lanciers, tu les étires très bien. Mais bon, est-ce que après, c'est pas un peu risqué de les étirer trop, tu vois Parce que la ligne, à un moment, peut-être qu'à l'impact, ouais, ça peut faire mal. Donc là, ce que j'essaie de faire, c'est de me sortir de tout ça. Par contre, là, je vais tenter un truc. Là, mon centre, pour le moment, ça tient.
Mais bon, après ce que je vois, c'est que tu te ramènes dans mon dos, ça me plaît pas trop. Hop, alors, les guerriers s'en sortent plutôt pas mal, mais bon, après il y a du guerrier nu en face, ça rigole pas. Donc ce que je vais tenter de faire, c'est hop. Bah, j'essaye de protéger le côté, moi. Parce que je vois que votre cavalerie a le général Pente de me Ouais. déborder. Et bah c'est pas gagné du fait que tes lanciers résistent très bien en mêlée. Par contre, je vois peut-être une opportunité, je vais tenter de la saisir. Là Tes bretteurs d'élite sont plus que 45 au centre, mais ils tiennent encore bien. Donc. normalement, attends, hop. Et par contre, c'est au milieu, il faut que. Allez, j'envoie mon général dans la mêlée, tant pis. Hop. Donc moi, ce que je vais tenter de faire là, c'est de. Hop. Oula, mes cavaleries là qui prennent extrêmement cher en même temps, certainement tes tactiques anti-cavalerie qui sont redoutables. C'est pour ça que je me suis dit ça faut Donc, tactique en quête de cavalerie, c'est pour ça que j'ai pris ces lanciers en fait. ils sont très pratiques pour ça, hein, je confirme. Ouais. Donc ce que je vais tenter, bah, je vais tenter ça, écoute, hein, on verra ce que ça donne. Et alors que tu as une de tes premières unités qui est en train de craquer, des bretteurs d'élite, qui se sont battus quand même Ouais. jusqu'au bout. Hein. Au bout de leur vie, ils étaient. Mais ça a pas suffi. Ouais. Et là, j'ai tenté un truc dans le dos de certaines de Là. mes unités pour essayer de. Ça par contre. Ça fait très mal, ça par Ouais, contre. la chair dans le dos. Alors, mes hommes sont hésitants, c'est Ah là là. certainement des. Ouais, c'est certains de mes cavaliers. En plus, je tire sur. J'ai un peu de TK aussi, mais bon, j'ai pas trop le choix du fait de ce qui m'arrive. Bon, t'as des guerriers nus qui commencent à flancher. Au centre, pareil. Par contre, là, au centre droit, tu m'as complètement pris en sandwich. Là, je peux plus. Ouais, non. Donc, ce Ah, que ce que j'essaie de j'aimerais bien, faire. c'est que mes lanciers arrivent à temps, mais aïe 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 aïe. Allez-y, dépêchez-vous. Ouais, et là malheureusement tes guerriers nus en fait leur point faible c'est bah, c'est le manque d'armure quoi, rien que par le nom de guerrier nu tu vois. Mais bon, j'ai tenté le coup. Hop. Ce que je tente maintenant c'est de réutiliser mes frondeurs pour les redéployer. Alors il me reste quoi? Ok, il reste deux unités de lance ici. On va tenter. T'as tenté de me lancer déjà l'eau à la figure. Ouais, j'ai commencé à avoir mes lanciers qui craquent, même s'ils sont mis en bouclier, ça suffit pas. Par contre là ton général il tient bien. Hein. Ah, il encaisse. Ouais, mais pourtant il est pris en Ouais. sandwich. Pour l'instant il a l'air de tenir, donc s'il tient et après que le côté droit, j'arrive à. C'est mon espoir en À fait. Tout, revenir. tout je mise tout sur le côté droit, Par quoi. contre, là, tu gagnes peut-être sur le flanc droit, mais bon, le centre, c'est pas encore joué non plus, donc Oh j'essaie non. d'aider avec mes frondeurs comme je peux. Surtout que je tire dans le dos de tes hommes qui attaquent à revers. Même si ça leur fait pas trop de dégâts, apparemment. Donc là c'est pas mal. Si j'arrive à virer à éliminer tous tes lanciers, je pense que j'ai mes chances après. Ils encaissent bien tes lanciers, ils tiennent bon. Par contre là, je vais faire un truc, on va tenter. Donc là on va faire ça. Par là, oula, il ne reste plus grand chose ici. Ça c'est pas bon. J'ai des unités qui courent par là, je sais pas pourquoi, mais bon, on va essayer de retenir. Là, on va refermer la nasse. Ouais, tes guerriers fidèles, ils tiennent bien, ils ont un moral assez impressionnant. Par contre, j'ai pas réussi à tuer ton général, je suis un peu déçu, mais c'est pas grave. Pendant ce temps, moi, Ah, il tient bien, il a un bon moral. Ouais, il a un moral de plus de 70, je crois avoir vu. Ah. Donc pendant ce temps, moi, mes lanciers vont revenir aider dans le dos contre des guerriers fidèles. Par contre, là, j'ai bien fait de diviser mes frondeurs en deux, du coup, t'as mon. Comme ça, ton lancier il court après eux dans tous les sens, histoire de le rendre fou. Donc là, je vois qu'il y a un autre lancier encore, ça c'est pas bon. Par contre, là, je vois un lancier en difficulté, là ça m'intéresse, parce que étant donné que je suis un cavalier, bah, le meilleur moyen de tuer un lancier, c'est d'aller sur le côté ou dans son dos. Ouais. Voilà. La charge, elle était assez. Elle a eu un effet mitigé, mais là les lanciers commencent à bien tomber, je trouve. Donc ce qu'on tente de faire, c'est d'abattre un maximum d'adversaires. Je vais sortir ma cavalerie de là parce qu'il y a un autre lancier qui revient. Voilà, ça va. C'est chaud quand même des deux côtés. Ton lancier qui craque sous la pression de 4 unités quand même, Voilà, là, c'est à le dire. là. Donc là, ce que je vais tenter de faire, c'est d'aller raider au centre, avec ce qui me reste. Même toi, tes partisans bretteurs,
Bon, sacré moral, parce que pourtant, 68 ils de ont morale. oublié. Ils ont, ils sont plus de 40, ils ont tué 200 hommes, hein, pour dire. Ah ouais, non mais c'est un... Grâce à eux, là, ils maintiennent toute cette populace, enfin, tout... Par contre, il te reste encore beaucoup de lanciers. Ce que je vais tenter ça de y est, faire... ça craque, enfin. Ouais, de côté, ton flanc gauche aussi, il craque, hein, avec... Par contre, je vais tenter d'aller faire ça. Donc là, le fait que j'ai plus du... t'as plus d'unités de moi que moi en mêlée là, dans ce flanc là, comme... Eh, mais ils reviennent, hein. Ils ont décidé de revenir, hein. Je sais pas ce que, Ah ouais, ce que tu leur as dit. Je crois que non, t'as on dû les leur... a bien motivés Ouais. avant de... Donc là, du coup, c'est pas mal. Là, t'as un autre guerrier lance qui craque, ça m'arrange. Du coup, moi, j'essaye de viser une unité qui peut être vitale à ton dispositif. Si j'arrive à la battre, ça serait parfait. Donc là, il m'a Allez, ça. tenez le coup. Et je vais tenter de faire ça. En tout cas, c'est, tu vois, le niveau s'est resserré depuis la dernière fois, je t'avoue. Donc, ça fait plaisir de voir ça. Bon, Alors, j'essaye, hein, j'essaye. Les Boyens, ça... ils étaient énervés là, je Ouais. pense, parce que. Et là, du coup, il te reste ton général et deux unités de bretteurs d'élite, je crois, en plus. Ouais. Unité de guerriers fidèles, unité de bretteurs Et des d'élite lanciers en et plus. encore des lanciers. Ouais. Bon, là, on est entouré de toutes parts, donc ça va être vraiment difficile. Ouais, j'avoue que là, je commence à reprendre le dessus, mais je suis pas serein avec tes bretteurs d'élite, hein, je te le dis honnêtement. Que là, ce que j'essaie de faire, c'est de revoir mon dispositif un petit peu. Ah, j'avais oublié cette capacité-là sur une cavalerie. Je veux voir ce que ça refait. Bon, c'est juste pour voir ce que ça vaut, hein, je te préviens. C'est-à-dire que c'est la capacité de charge, c'est Charge ça? frénétique de la cavalerie lourde. Je sais pas ce que ça vaut, mais bon, on va voir. Ouais. Bon, ça a l'air d'être sympa, mais bof quoi. Donc là, on va tenter de refaire ça et de revenir comme ça. Ouais, là, t'as une unité qui s'est barrée, j'ai l'impression. Ouais, c'est mes lanciers, Ouais. mes lanciers Et là, je te mets là la ils pression de ont... partout, maintenant ton Voilà, général là. aussi. Ah, c'était dur quand Ouais. même, hein, entre celles. Mon Dieu. Oh. En tout cas, t'as bien augmenté en level, hein. Donc, bien On va joué à toi. repartir dans Ouais. on repart dans l'Auvergne alors. Ouais. Donc alors déjà on va regarder un peu ce qui nous a fait mal mutuellement. Hein, donc alors on avait le même nom Alors. d'homme déjà, le même comte. Ouais. Ah. T'avais que de l'infanterie donc alors. Ouais, tes guerriers fidèles ils ont été monstrueux. Ouais, franchement, ouais. 100, des 136, 107. 105 aussi, ouais. Les guerriers nus, ils ont pas fait le taf, quoi. Ouais. Ni les bretteurs d'élite. Ouais, comme quoi en Franchement, je multi, tu m'attendais vois. à mieux, quoi. Ouais, comme quoi tu vois en multi. Bon après, alors moi ce qui t'a été efficace chez moi, donc il y a une partie de ma cavalerie. Mes frondeurs, ils ont fait les affaiblisseurs entre Ouais. guillemets. Les guerriers à lâche, ils ont été pas mal. Les lanciers aussi. Et les Mais partisans les bretteurs. partisans bretteurs, ils ont fait un massacre. Ouais. Ah Donc là là. ça fait une première manche que j'emporte. Donc je te propose qu'on refasse on fasse une seconde manche pour la suite de Et l'épisode. nous 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 retrouvons à présent pour la seconde manche de l'épisode 8 de Ruse et Stratégie Infinie sur Total War Omni. Je t'en prie, Bendy, présente ta faction et ta composition d'armée. Donc voilà, j'ai pris un état helléniste, hellénique, les ponts, le Ponte. Donc alors, avec mon général qui est un piqué à bouclier de bronze, et une unité d'archers orientaux, juste une petite une unité comme ça que j'ai mis sur le côté pour prévenir l'arrivée de tes soldats suèves. Ensuite, juste derrière eux, pardon pour la prononciation, des Tureo Foroi. C'est ça. Je sais pas si je l'ai. Si tu l'as bien dit, bravo. GG. C'est vrai, ouais, bon, j'espère, j'espère. Terreforeuil, moi je dis. Ensuite. Mais c'est pareil pour moi, t'inquiète. Donc ensuite, devant tout ça, comme unité de lance-projectile, j'ai pris des pélastes pontiques avec des bretteurs pontiques. On reste dans le pontique. Bien sûr. Donc, et ensuite, des unités d'hoplites, hoplites simples, des piquets, Oui. pareil, des tuéros, des tuéros, foroi, en Oui. fait. Et voilà. Eh ben, c'est une belle arme. Je remarque que tu n'as toujours pas de cavalerie par contre, donc c'est peut-être une bonne Non, je stratégie. compte. Tu aurais pu sortir de l'infanterie, ce qui est légitime. Alors moi de mon côté, je vais rester un petit Clément. peu dans le thème barbare. J'ai pris les Suèves. Donc en première ligne, j'ai 5 tireurs. Donc c'est assez rare de ma part, mais bon, ça, pourquoi pas cette fois. J'ai pris un Ouais, fronteur nouveauté pour. germanique et 4 archers cimbres. En fait,
Vous entendez par archère Sam, j'entends des archères féminins. Et oui, des Suèves, chez les Suèves, les femmes se battent aussi. Donc, 4 unités d'archères. Donc voilà ma petite surprise dont je te parlais hors vidéo. On va voir. Ensuite, en deuxième ligne, bon, c'est un peu le fouillis dans l'île, je suis désolé. 4 bretteurs bouclierons qui sont comme peut-être tout nus apparemment, mais en armure, il faut pas les sous-estimer, ni en mêlée. J'ai pris également 3 unités de lancières, donc d'autres femmes qui se battent hein, avec lancers boucliers qui peuvent être très redoutables. La mixité chez les Suèves. C'est ça. Donc ça fait 3, dont une sur mes flancs, sur mes arrières. Et au centre, alors là, les deux, là c'est peut-être, pardon, 1, 2, 3. Mais peut-être que ma deuxième ligne, elle vous paraîtra un petit peu surprenant. Donc 2 unités de porteuses de boucliers, donc encore 2 unités féminines, donc histoire de respecter la parité, hein, n'est-ce pas. Et il y a un côté 2. Deux unités de berserk, donc des fous furieux en mêlée quand ils arrivent au contact. Enfin, derrière tout ça, 4 unités de cavalerie vont accompagner mon armée. Donc à savoir 2 cavaliers germains de la chasse, donc très redoutables, ainsi que 2 nobles cavaliers suèves, donc et le général dedans. Donc voilà, donc là sur le papier, l'avantage est à la faction linique pour assez un peu notre que sa qualité et ses armures sont certainement meilleures que les miennes. Mais bon, oui, je compte exact. Pas me laisser faire ainsi. Donc je te propose de lancer la bataille. Pour les Germains, ça va être difficile. Ouais. Et surtout, je t'avoue que c'est une armée que de test. Hein. On va voir. Et surtout, j'ai peur de faire mal. Bon, on tape pas les femmes normalement. Oui, mais bon, là, t'as pas le choix là. Là, je te mets un petit peu... Des hommes. Franchement, les femmes germaines, c'est des hommes. Hein. Ouais. On est d'accord sur ça. Je sais plus s'il y a d'autres unités qui sont féminines, qui sont... Je crois qu'il y a aussi des archères scythes aussi, dans mes souvenirs. Ah ouais, il me semble. C'est des archères montées, donc je crois que c'est dans les factions nomades, genre Roxelan, Scythe et tout. Je sais pas si t'as l'idée. D'accord. Ouais, Hop, on va avancer tout doucement. En tout cas, j'aime bien ta composition d'armée. Ouais. Bon, belle armée suève. Hein. Ouais. Donc on va voir ce que ça donne. Hein. Bon, allez, on avance parce que là, je suis sous le feu des projectiles. Les messieurs. Après, ils encaissent bien tes hommes. Hein. Ouais, normalement, avec leurs armures qui, là, tout. Normalement, ils sont protégés, normalement. Hein. Mm. Ouais, par contre, moi là, je ferais mieux de me retirer derrière parce qu'avec ce qui va m'arriver, ça va pas être sympa. Donc, alors, au centre, on a du haut pli, tu m'étonnes, ça va être compliqué à faire. Par contre, ma cavalerie, là, vous allez m'aider. Alors, ouais, des deux côtés, ça va être compliqué. De toute façon, c'était prévisible. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Là, le piqué, il faut l'éviter. Donc, ce que je vais tenter de faire, c'est de retirer mes lignes. Par contre, là, on me laisse pas trop le choix. Je vais devoir y aller. Si j'arrive à percer suffisamment le centre, ça pourrait m'aider. Donc là, pardon, on va faire ça. Donc ce que je vais tenter, c'est d'aller chercher ça. Porteuse de bouclier, hop, par là. Donc hop, il me reste des tireurs. Ouais, là, je sens que la partie, je la sens déjà plus compliquée pour moi, rien que pour te dire. Je sens la différence. Ah, les pontes, le pont, c'est les factions hellénistes, de toute façon, elles sont forts dans le jeu. Hein. Mm. Je fais vraiment que c'est vrai que. Donc, ce qu'on va tenter de faire là, on va essayer d'aller soutenir ici. Ouais, déjà, j'ai quand je vois un de mes lanciers qui est en difficulté, le pauvre. Alors, l'autre là, il va l'aider, mais bon, là, ça me paraît compliqué. Oui, bah, ça, c'était prévisible en même temps. Hein. Les Suèves sont quand même assez compliqués à jouer, hein. Surtout ouais. Contre une faction hellénique, c'est un peu. Ouais, c'est pas l'unité. Ah bah, c'est pas le. Voilà, exactement. Ouais, regarde, je me fais découper, t'es piqué et tout, ils font job, je peux rien faire, quoi, je suis battu de partout. Nos hommes fuient le champ de bataille. Mais quelle honte. Par contre, là, je vois peut-être une opportunité à saisir. Donc là, qu'est-ce qu'il y a? Ouh là, du terreau fort, il y a peut-être un coup à jouer là-dessus. Hop. Par contre, tes terreforés, j'arrive à les découper quand même. Ouais, et en plus, tu es tombé sur une unité de mes berserkers. Quand tes terreforés, ouais, ils sont en train ouais. De faire un carnage. Okay, y a une... Donc là, je vais essayer d'abattre tes archers orientaux, même si c'est pas gagné. Au centre, bah là, toute mon infanterie est complètement cédée, je pouvais rien faire. Donc voilà.
J'ai voulu tester les Suèves, hein. Bon, quand l'Enix n'était pas adapté, je l'accorde. Ah, puis surtout, franchement, c'est vrai que je t'ai jamais trop vu avec les Suèves. Kaiser, c'est une nouveauté, mais je sais que c'est un peu une nouveauté. Ouais, mais bon, moi je teste, tu vois, je ne fais pas que. Et puis attends, la bataille n'est pas finie. Hein. Ouais. Même si t'as l'avantage quand même, hein, je te rappelle. Ah, et j'ai oublié une unité de. Qu'est-ce qui est revenu? Oh. Donc là, alors, tête euro-foy. Oula, qu'est-ce qui arrive dans mon dos? Des piquets, évidemment. Ça, c'est pas cool. Parce que je vais. Il faut que j'arrive à vite percer cette unité. Donc, on va tenter de faire un maximum de dégâts. Hein, on va voir. Ok, il me reste quoi? Des cavaliers. Il me reste encore toute ma cavalerie, heureusement. Ouh, Théopite, là, il commence à déguster. Ouais. Peut-être que c'est pas encore joué pour moi. Oula. Par contre, toi, tu vas m'aider là. Qu'est-ce qui arrive? Oh, du terreau forêt encore. Ok. Bon, bah, on va tenter, hein. Hop, je vais essayer. Non, en général, non, pas de bêtises comme ça. Hop, on va tenter ça. Même si c'est pas sûr. Le cœur, c'est qu'ils partent vite en mode furie, quoi. Ouais. Je fais les deux. Comment ça s'appelle? Les deux. Comment on appelle? Tu vois, les pouvoirs, là. En fait. Ouais. Les capacités. Je fais les deux. En furie tout de suite. Oula, par contre mes archers là je vais les retirer parce que vu ce qui arrive c'est pas sympa. Et là je fais craquer un encore tétéroforêt progressivement. Par contre t'es en train de courser mes tireurs, mais bon comme j'ai plus que ça donc je t'avoue que là j'ai tu n'as pas trop le choix. Par contre là ouais hop si tout est tétéroforêt pourrait craquer ce serait pas mal pour moi déjà. Ouais, j'essaie de réorganiser mon armée en fait. Là, je suis en mode parce que là, je vois que c'était un peu le foutoir. C'est pas digne d'une section, d'une faction hellénique. Ouais. Eux qui prenaient l'ordre et la discipline dans leur rang. Ah ouais. Attends, normalement. Donc là, on va réessayer de pourchasser un peu. Donc, j'ai réussi à me faire craquer encore tétéroforeuil. Donc, j'espère qu'ils reviendront pas. Il me reste 4 cavaleries donc ouais, t'as beaucoup de masse encore. Je suis pas sûr de pouvoir tous me faire tout ce petit monde, mais bon, on va essayer. Donc, alors, toi, tu vas tirer comme ça, toi, tu vas faire ça, toi, tu vas faire ça. Il faut essayer de se réorganiser au maximum parce que, vu ce qui nous attend là, ça va être un autre combat. Surtout contre du bretteur pontique. Ouais. Ah, du Peltas Pontique, pardon. Oulala, là là, vous allez où, les gars? Vous allez un peu loin, là. Revenez. Ils sont un peu enflammés, là. Mais, ouais, je crois que mais qu'est-ce qu'ils ont foutu? Mais qu'est-ce que vous avez fait, mec? Ouais, les gars, ils ont trop cru, là. Là, ils sont cru. Ils ont dit, ça y est, là. en tout cas, la bataille, elle va être différente pour moi. Là, je t'avoue que là, je suis pas serein. Ouais bon, après j'ai bientôt plus de munitions, donc ça va être la fin pour moi. Qu'est-ce qui m'a... Bon, on va tenter, hein, mais bon, c'est pas gagné. Ouais, en plus c'est du Peltast, quoi, derrière, ça tient bien, quoi. Donc là, on tente de faire un maximum de dégâts. Ben... Okay. C'est dangereux les gars, restez ici. Restez protégés par le corps d'armée. Nos hommes fuient le champ de bataille. Mais quelle honte. Par contre les archers simples, la prochaine fois je crois que je les utiliserai pas, parce que pour une multi c'est vraiment pas adapté. Ouais, bon. je pense que ouais c'est plus simple. Les archers comment c'était déjà les. Cimbres, archers cimbres. Alors ouais, il te reste beaucoup trop d'unités, j'aurais pas assez de munitions, j'ai que de la cavalerie, t'as ce qu'il faut pour me contrer, donc je vais tenter de faire un maximum, mais bon, on verra. Ah, ça sent là. Allez hop, les gars, mettez-vous comme ça, vite, manœuvre.
Il me reste encore quelques munitions, on met sans plus. Ouais. Donc je vais tenter ça, mais bon. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, du houpli, du piqué, ouais, ça va être compliqué à gérer, quoi. Et du bretteur ponté qui a certainement encore des surprises en réserve. Ouais, t'as une bonne armure, donc ça... Ça rebondit, donc je pourrais pas faire grand-chose, hélas. Pour l'instant, je n'ose pas trop aller les... J'ai pas envie que tu me fasses courir, quoi. Là, il reste... il y a un truc à tenter, on va voir. Donc là, j'ai tenté de détruire une des unités d'Opli qui était complètement... volée, quoi. Qui est complètement volée. Par contre, là, faut vite que je me taille parce que sinon, ça va piquer. Ouais, donc là j'ai plus de munitions sur mes archères malheureusement. Je vais tenter d'un truc, on verra. Qu'est-ce qu'on a? Oula, et les mecs, je vous ai dit de vous replier s'il vous plaît. Donc là je vais tenter un truc, histoire d'aller contrecharger. Hop. Alors là on va tenter pareil. Enfin, quoique là on va éviter de faire ça, ce serait bête. Hop. Donc là on va tenter comme ça. Bon, je pense que là c'est fini pour moi. Ouais. Ouais, normalement ouais, mais on est jamais à l'abri d'une surprise. Allez hop, on y va. Alors on balance tout là, je balance tout. Il y a tout général, par contre il a pas été touché encore. Ouais. Il a juste, il a fait un peu de dégâts, j'avoue. Ouais. Bon, allez-y les gars là. En plus t'es en phalange donc je peux... c'est compliqué donc j'essaie de faire un maximum de dégâts mais je doute que j'y arrive vu le nombre d'unités qui te reste. Ouais, j'avoue que j'aurais pas dû prendre une faction barbare contre des Hélènes. J'ai voulu surtout contre les, une faction hélénique, c'est ouais difficile. C'est pas adapté. Ouais, bon bah c'est pas grave. Je pense qu'il y aura une troisième manche pour qu'on se départage parce que... Ouais, ça marche. Je t'avoue que là, je me vois pas rester sur un match nul et toi non plus, je pense. Ah bah non, 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 bah non. Ouais. Par contre, là, je vais tenter un truc, mais bon. Boum. Comme rester entre deux verres, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est dur, non, mais là, je suis archi surclassé, donc... c'est pas grave. T'as très bien joué le coup, t'avais la faction adaptée contre ma compo. Donc maintenant à voir. Mais je pense que ça s'est joué, franchement pour moi, je pense que ça s'est joué sur des petits détails en fait. Ouais. Bah après, bon, j'avais les bien. Il y a eu un moment, t'aurais pu me contourner, j'ai eu de la chance de bien réagir au bon moment, ce qui ouais. a fait que bon, j'ai eu la victoire. Mais si j'aurais pas fait le bon geste au bon moment, je pense que t'aurais pu me. Ouais, faire mal. Ça aurait pu être un désastre pour moi. Après, t'avais la solidité de tes troupes, donc t'avais de bonnes armures, donc j'ai pas. J'ai rien à me reprocher, regarde quand je vois que mes berserkers ils ont fait le taf, bon, les porteuses de boucliers, ça c'est pas la joie, je l'ai noté. Les archères simples en mêlée, elles sont plutôt bonnes aussi, d'après ce que j'ai vu, elles ont fait quand même 60 morts. Ouais quand même, hein. Elles ont des bonnes, des bons kills, hein. 64, 60 de moyenne, 65 de moyenne. On part la dernière à 28, mais sinon le reste c'est plutôt pas mal. Donc voilà, donc ça fait un partout, donc je pense qu'il va falloir se départager par une troisième manche, donc histoire d'essayer un petit peu de suspense. Juste les porteuses à boucliers, on... Ouais, c'est à la cuisine là-bas. Oui, je suis d'accord, bon, sans ce point-là. Désolé pour ce commentaire machiste. Donc je te propose qu'on passe au troisième match. Et nous nous retrouvons pour la troisième manche de l'épisode 8 de Rusée Stratégie Infinie sur Rome de Total. Donc, je suis toujours en compagnie de Bendim, je t'en prie, présente ta faction et ton armée. Donc voilà, j'ai pris Kaiser, donc j'ai pris les Nerviens, encore du Gaulois, du Celt encore. Donc avec... En général, le guerrier fidèle, bien entendu, avec 12 unités de puissants destriers, quelques 4 unités de chasseurs gaulois, avec des bretteurs féroces, bien entendu, des guerriers nus, ouais. Et des lanciers nus.
Ah oui, donc en gros, c'est tous des nudistes chez les On est Nerviens. tous à poil chez les tous à poil chez C'est les une belle arme, mais en tout cas, Nerviens. donc on dirait que tu as respecté un thème que tu voulais t'imposer, je sais pas, mais c'est vraiment sympa de voir des armées qui sont cohérentes dans leur esthétique et tout. Bon, les stats aussi, hein, elles sont pour moi cohérentes, hein, donc c'est du costaud tes unités, ça te va. Donc voilà. Donc moi de mon côté, je suis resté pas dans le 7, mais je suis parti du côté du Thrace, donc avec le royaume des Odrys. Ma première ligne va se composer de 4 Rondeurs Thrace qui sont de très bons tireurs, et pas sous-estimés en mêlée. En derrière eux, je leur ai mis 4 unités de guerriers Thrace, donc ce sont des unités à la faux, donc histoire de faire un maximum de dégâts. Sur les flancs, j'ai mis un hoplite ici à droite et un autre à gauche. Voilà. Derrière eux encore, il y a 2 unités de nobles Thrace qui sont encore plus puissants que les guerriers Thrace et qui peuvent faire très très mal s'ils le veulent. Derrière eux, j'ai mis 2 unités de lanciers, donc de base, hein, pour lutter contre la cavalerie. Bon. Comme quoi, un lancier, c'est toujours efficace contre la cavalerie, quel que soit son niveau. Un hoplite mercenaire encore pour compléter l'armée. Et enfin, j'ai 5 cavaleries, dont 3 cavaleries Thrace qui sont des cavaleries mêlées, mais aussi tirailleuses avec des javelots. Et 2 unités de cavaleries mêlées Royal Thrace, dont mon général, ici présent. Belle composition, belle Ouais. armée, les traces quand même. Ouais. Elle a de la gueule cette armée. Hein. Bah du coup ça fait un partout et cette troisième manche, je vais décider de qui elle Voilà. va l'emporter. Et comme disaient Voilà. certains grands généraux, vae victis, malheur au vaincu, je te propose de lancer. Ok, c'est parti. Donc ouais. J'ai pas vu tes chasseurs gaulois, de toute façon c'est normal, je sais qu'ils sont embusqués déjà, c'est tout le temps comme ça. Ben ouais non, mais je veux dire que tu les as vus quand même. Tu les as pas vus en fait. Il y a des unités que t'as pas vues. Je Qu'en fait sais. j'ai pas utilisé les embusqués en fait. Non mais c'est normal, de toute façon tu les vois pas de base, les chasseurs gaulois, ils se déplacent sur tout terrain invisible. Ah, d'accord. Donc ouais, t'as quand même du lourd en face. Ouf. Par contre j'ai peut-être une chance mais ça va être chaud. Ma compo elle est double tranchant, soit je gagne soit je perds. Je l'appelle comme ça, double face comme Harvey Dent. Ouais. Bon, moi je vais. On verra bien. Là pour l'instant, je fais aucune spéculation. Ouais, parce que là le combat il va être indécis. Ouais, et surtout que quand je vois ça, qu'est-ce que je pensais? Ouais, alors que sur mon flanc ça va commencer à contourner. Hop. Ouais, sur les flancs ça va commencer à agir comme je le pensais. Donc, ouais, il y a du lourd. Donc, ce qu'on va tenter de faire, c'est ça. Ouais, tu joues bien là, tu focus une de mes unités d'archers. Moi, j'arrive pas à te tirer dessus parce que je sais pas pourquoi les fronts ont décidé de se mettre en grève. Donc là, tu as deux lanciers nus qui arrivent. Ouais, tu es en train de refermer un as sur moi. Donc, mes fronts, on va tenter de faire un maximum de dégâts. Voilà, donc tu as déjà une unité à moitié affaiblie. Ah, tu as encore tout ça comme chasseur gaulois, et ben. Donc, moi, je vais pas rester comme ça à me tourner les pouces. Donc, je vais tenter de charger, hein. Donc on va tenter. Par contre là derrière ça commence à arriver, il y a du lourd. Et là il faut tenter d'aller faire ça. Donc moi ma cavalerie je l'ai un peu repliée mais c'était voulu. Il me reste 2 unités de lance donc j'essaie de les conserver au maximum, ça me paraît compromis. J'essaye de te prendre dans la nasse, quoi. Je vais voir est-ce que ça va passer ou pas. Ouais, déjà il est en train de me mettre des unités de frondeur en difficulté. Donc je vais tenter hein. Là mon plan ça va être deux de charger mais bon après il va falloir charger les bonnes unités. Donc moi je tente hein, il me reste 3 frondeurs mais bon les pauvres je doute qu'ils tiennent. Plus mes hoplites mercenaires ils sont en train de prendre cher contre tes lanciers nus, ce qui est normal vu qu'ils ont déjà vu. Ouais, et derrière je me fais flanquer. Et je vais vite faire ça. Ouais, ça va être compliqué quand même. Hein. J'ai essayé de contourner pour voir, mais on va voir. Pour l'instant, ça a l'air de. Ça a l'air, mais ce qui me fait Ouais. peur, c'est toute ta cavalerie qui n'a pas encore rentré en action là. Ouais, ça va un peu tarder, mais bon, là je pense que tu es en train de l'emporter parce que mes guerriers Thrace ne font pas le poids contre tes bretteurs féroces. Donc je pense que pour moi c'est perdu. Donc on va tenter quand même, hein, mais. Moi je vais tenter un truc là, tac. Là on y va, hein, on y va les gars. Allez hop. La frite, hein. La Belgique. Allez, on tente sa chance, on va la pousser jusqu'au bout.
parce que là je vois que mon flanc gauche il se fait complètement nettoyer. Au centre, mes guerriers nobles traces ont réussi quand même à faire une percée. Donc là on va tenter d'atteindre notre objectif. Et là j'ai réussi à accrocher ta cavalerie. Ouais, c'est ça qui me... C'est ta cavalerie là sur le côté, c'est ça qui... Franchement c'est ça qui me fait peur. Du coup là on va tenter un nettoyage. Hein. Merde, j'ai oublié mon général. Oh putain, ça c'est pas bon. Ouais, je l'avais pas vu là-haut. Je l'avais pas vu. Et là mes nobles traces sont en train de faire assez de dégâts là, donc voilà. Ouais, par contre mes nobles traces là il faut que vous alliez aider par là parce qu'il y a une urgence. Du coup là on va essayer de revenir. Ouais non non ça va être compliqué pour moi de revenir là clairement. Même si mes nobles traces... Je trouve que c'est un... je trouve que là je suis en train de reperdre du terrain. Ah c'est bon, je sais pas, on va allez, allez, on y va, c'est pas fini. Rien n'est fini. Donc, je sais pas ce qu'ils foutent mes cavaliers, ils ont la danse de Saint-Guy, je sais pas quoi. Donc moi je vais tenter de charger. Ils sont où? Donc, je là... suis à la... Ah mes cavaliers sont fait laminer quoi. Donc là on va tenter de charger ici et là. Oh là là là. Dégagez. Par contre là tes guerriers, ton général il est en difficulté contre mon unité, en même temps c'est un peu normal vu l'unité que c'est l'unité d'élite des Odris, les nobles traces. De bretteurs d'élite. C'est des faux, c'est des unités à la fois en fait. D'accord. Donc il me reste quoi encore? Quelques frondeurs, quelques cavaleries, ouais. Mes hoplites qui tiennent bien même s'ils sont pas en formation, ce qui est assez cool. Hop là, je vais essayer de choper tes tireurs et de faire un maximum de dégâts. Donc là il y a encore ça, là il me reste une cavalerie, il me reste un lancier là qui fait rien. Et là je vais tenter une charge dans le dos mais c'est pas sûr que ça passe. Ouais ça va être compliqué. Mais de deux côtés ça sera compliqué mais... Franchement c'est très compliqué, au début j'avais l'impression d'avoir pris un grand avantage mais en fait il m'a servi à que dalle. En fait là je me vois que mon armée était séparée. Ouais, donc là, il me reste des lanciers. Un peu de bon. Tous les côtés, et puis... je me suis fait un peu... En fait, on va essayer quand même de rattraper tout ça. Et là, allez, qui est stacké, là, ça, c'est pas bon non plus. J'essaie d'attraper mon général, moi, de mon côté. Ouais, je vois ça. Donc là, mes lanciers qui essaient de te contrecharger, mais bon... Ton général, il va être encore, il va s'en sortir, je pense, vu que... Hop. Par contre là j'ai encore des frondeurs mais bon ça va pas servir à grand chose. Quoique attends. Ouais bah l'unité de lancier que je t'ai envoyé c'est de l'unité de base donc je ne m'étonne pas que ça fasse rien. Donc là on va tenter une charge dans le dos histoire de faire un maximum de pertes mais bon ça va être compliqué. Donc voilà je pense que là c'est perdu mais bon. C'est vraiment c'est indécis quand même, non? Ouais, un peu, mais vu la masse de Caracta. Nos hommes fuient le champ de bataille. Mais quelle honte! J'ai encore quelques tireurs, mais sans plus, quoi. Et j'essaie de leur faire un maximum de dégâts. Mais au pit là, ils tiennent bon, mais bon, pour combien de temps, ça, c'est un autre mystère. Donc là, on va essayer de voir. C'est ton général que je veux, moi. Ouais, je me doute. Je me doute. Mon général, pour l'instant, il tient bien. Ouais, je comptais sur mes nobles traces pour faire un maximum de dégâts. Ouais, ils ont un putain de moral, tes lanciers, j'avoue. Donc voilà. Encore mes frondeurs, ils arrivent à te faire fuir tes archers. Ouais, donc là, ça va être compliqué. La cavalerie est complètement annihilée, donc il me reste encore des munitions, mais pas beaucoup. Donc on va essayer d'isoler certaines unités. Ouais, t'as beaucoup trop d'hommes, je pourrais rien faire. Par contre, là, tes lanciers, j'ai peut-être un coup à jouer, c'est qu'ils sont épuisés, certains. Ouais, là, c'est vraiment, c'est vrai, ça tient à la limite, quoi. À la limite, on est au point de rupture, quoi.
Allez, hop, on va regrouper ce qu'il me reste de troupes ici. Faire un maximum de pertes, même si c'est pas gagné. Ouais, surtout que tout ça arrive. Ah, mais là, je pense que t'as gagné, t'as la masse d'unités, t'es au-dessus de moi, là. Je suis plutôt content de voir que t'as bien évolué, ça fait plaisir. Ah, je me suis entraîné, puis j'ai eu des bons professeurs, ouais. Hein, Kaiser. tu m'as donné des bons conseils. Donc voilà, comme quoi l'élève peut dépasser le maître et que des joueurs d'un niveau modeste non, peuvent s'élever. Ouais, disons que j'ai gagné une bataille, mais pas la guerre. Hein. Alors, attends, il te reste quoi encore? Du bretteur, du guerrier nu, du lancier nu, ouais, ouf. Ouais, vu ce qu'il me reste en munitions d'archer, ça va être chaud, quoi. Je vais tenter de viser certaines unités, on verra. Là, il faut que je préserve absolument mon général si je veux avoir encore une chance de l'emporter. Je vais essayer de réorganiser un peu tout ça, mais bon, ça va être... pas beaucoup de tactique à appliquer, hein, à part vous défoncer, quoi. Désolé pour le mot, mais... Allez, il faut qu'on essaie d'attraper, qu'on les attrape. Allez-y, les gars. Allez-y. Ton centre, il est puissant, quoi. Ouais, j'aime bien prendre un centre plus puissant, justement. Mm. Et ça, c'est bien. Et comme ça, je peux, comment dire, comme ça, j'attaque direct au milieu, quoi. Mm. Et comme ça, puis généralement, généralement, on attaque généralement sur le côté. Donc, je peux rentrer dedans et puis essayer d'écarter, quoi. Enfin, après, c'est vrai que c'est difficile. On essaye, quoi. Du moins, j'essaye de faire ça. Hop, là, c'est la charge de... La charge du désespoir. La charge de... Ouais, j'ai tenté de charger ton renard pour essayer de la battre, mais je pense que ça va être compliqué. Hein. Il était clairement au-dessus de moi. Ta masse d'unité va m'encercler, je pourrais rien faire. Mes tireurs, ils sont bientôt en munitions, et sachant que t'as du guerrier nu. Donc là, on va tenter de se retirer, mais bon, ça va être compliqué. Le prix va être... Ouais. Déjà, quand je vois qu'une cavalerie se fait moissonner par la masse d'unité, donc... voilà, quoi. Donc, voilà où. Le tout général est toujours là, par contre. Ouais, il a un peu envie de mourir. Il a... Ouais, c'est pas jusqu'au bout. Ouais. Donc, voilà. Son courage sera remarqué dans les livres d'histoire. C'est ça. Ouais, tes unités belges, elles sont très puissantes. Elles ont un gros moral. Ouais, là j'ai pas mon général, donc c'est fini, t'as gagné, voilà. Bravo. Et voilà, belle victoire de ta part, c'était une belle partie. Petite bataille encore. Ouais. Donc bravo. Que ça... Ouais, t'avais plus d'hommes que moi, t'avais ce qu'il faut pour me contrer, t'avais une arme assez équilibrée, t'as été lancé, ils ont été excellents. Par contre, le fait qu'ils y sont à nuit, qu'ils aient 35 d'armure, c'est chaud, quoi, mais bon. Après, unités, donc j'ai rien à leur dire, j'avoue ma défaite. Ah, c'est mes bretteurs féroces qui ont fait quand même... Le nettoyage, ouais. Avec les guerriers nus aussi en complément, c'était un beau combo. Moi, ce qui t'a fait... T'as vu ? Je sais pas si t'as vu ma cavalerie, moi, j'ai vraiment eu du mal à l'utiliser, tu vois, elle a servi à rien du tout. Ouais. Après... Je voulais essayer de te l'envoyer à revers sur tes unités de frondeurs, tu sais, sur les frondeurs traces, mais j'ai jamais réussi à trouver une ouverture. À chaque fois que tu m'as bloqué... Ouais. Et tu vois comme quoi je ne suis pas invincible sur Rome 2, je te l'avais dit, donc... voilà, en tout cas, voilà, j'ai essayé de faire de mon mieux, quoi. Tu t'es bien débrouillé, hein. T'as pas rougir ta victoire, donc tu l'as mérité. Donc moi, ma cavalerie a été redoutable aussi, hein. Toute ma cavalerie, pas loin de 100 morts pour la plupart. Magnifique le travail de la cave, quoi. Par contre, les guerriers traces de base, ils ont rien pu faire contre tes guerriers bretteurs et tout, donc c'est normal. Mais les nobles traces, ils étaient au-dessus du lot. 180-155, donc ouais. Voilà, donc c'est une victoire de Benous, 2-1 pour lui, et ceci conclut l'épisode de Ruse et Stratégie Infinie. Donc félicitations encore à toi pour ta victoire. Bah, merci pour cette partie, Kaiser, et bah, c'était avec un grand plaisir. Alors ouais. Et je vous dis au revoir les amis, salut à toutes et à tous. Allez, ciao, Kaiser, ciao à tous. Au revoir les amis, ciao.